Alors le cycle, c'est 75 rencontres, dont 12 soirées textes et musique. Plus de 3500 personnes ont fréquenté le cycle. 59 auteurs invités, je vais en citer quelques-uns. Guy Coq, Odon Vallet, Jean Carbonel, Jean-Marie Petitclerc, Christian Delorme, Rachid Benzine, Marc Vidal, Paul Baladzi, Monseigneur Jacques Gaillot, Michel Deneken, Monseigneur Etchinger, Marie-Rouanette Tabasset, David Le Breton, Jacques Arnoux, Menotti Bottazzi, Gabriel Ringuet, Marc Linhart, Michel Eiffel, Tim Guénard, Henri Guinson, Alain Richard, Catherine et Jonathan Lévy, Sylvie Germain et beaucoup d'autres. Le cycle, c'était aussi en 20 ans deux expositions. Une exposition en 1999 sur la vie et l'œuvre des Maritains, et une exposition en 2001 qui a eu un énorme succès, Compostelle, la marche vers l'inconnu. De nombreux partenariats ponctuels avec le service prévention et citoyenneté de la ville de Mulhouse, l'aumônerie des prisons, l'aumônerie de l'hôpital et diverses associations. Que de chemin parcouru depuis la première conférence à la maison Levensfels en 1991 sur l'architecture des édifices religieux en Alsace, une causerie illustrée de diapositives. 20 ans après, le cycle reste fidèle à son intuition initiale, proposer à un large public la rencontre d'un auteur et de son livre. Parfois, l'image vient apporter un autre éclairage et compléter le propos. Aujourd'hui, le public est plus que sensible à recevoir le témoignage d'hommes et de femmes de ce temps qui vivent quelque chose au service des autres et qui ont à dire en cette époque troublée. Les succès des rencontres avec Tim Guénard, Henri Quinson, Stan Rouget, notamment, en témoignent. Le souci de l'ouverture a souvent guidé le choix des intervenants. L'échange et le dialogue permettent une meilleure connaissance, une ouverture et un respect réciproque. La table ronde interreligieuse, le dialogue Rachid Benzine, Christian Delorme, la soirée texte et musique autour des moines de Tibirine dans cette église ont pu contribuer à décrisper les relations avec la communauté musulmane, par exemple. En 2010-2011, le cycle a exploré des chemins nouveaux. Ainsi, en plus de la causerie en soirée, certains auteurs ont accepté une rencontre en après-midi. Par exemple, Marie-Thérèse Hénaud a proposé un atelier en maison de retraite auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Monseigneur Jacques Gaillot a échangé à la prison de Mulhouse et Jean-Marie Petitclerc a rencontré les professionnels de la prévention. Dans la mesure du possible, ce type d'action doit être poursuivi. Depuis 1996, donc il y a 15 ans, en clôture du cycle, la soirée texte et musique a su rencontrer son public. La première proposée a été une soirée en hommage à France Kéré. En 2010 et en 2011, c'était jeudi dernier, ici même, dans le chœur, ce temps littéraire et musical s'est enrichi par la dégustation de vin, sous la direction de Thierry Meyer, critique viticole. Et maintenant, l'actualité immédiate, c'est la rencontre avec Mgr Doré pour son ouvrage autobiographique, son dernier livre, À cause de Jésus, pourquoi je suis demeuré chrétien et reste catholique. En octobre prochain, dans le cadre de Tout Mulhouse Lit, dont la thématique retenue est la musique, le cycle reçoit Philippe Charut, jésuite et organiste, pour son ouvrage récent « Quand le lointain se fait proche, la musique, une voie spirituelle ». Et
toujours à l'occasion de cette manifestation, une conférence musique de Cathy Bassett autour de la musique de Bali à Java. Et ça se passera d'ailleurs dans cette église même. Enfin, l'équipe de pilotage du cycle a souhaité proposer une action en direction de la jeunesse en novembre prochain, avec une participation à BD Ciné à Ilzac pour une animation autour de la bande dessinée et de la spiritualité. En guise de conclusion, merci à chacun et à chacune pour l'implication dans ce cycle. Ce travail partenarial efficace doit se poursuivre dans le même esprit qui l'anime depuis l'origine. De nombreux chemins sont d'ores et déjà explorés. Formons le vœu qu'il soit couronné de succès. Merci. Bien dans ce cycle, bienvenue à vous tous. Monseigneur Doré, bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Ce soir, nous accueillons, dans le cadre de ce cycle, nous accueillons Monseigneur Doré vraiment pour fêter les 20 ans. 20 ans de partenariat, on l'a dit, entre des réalités d'église, des réalités différentes, catholiques, protestantes, avec des associations aussi non confessionnelles, que ces réalités travaillent ensemble est déjà en soi un signe pour aujourd'hui. Et puis ce cycle est un lieu ouvert aussi, ouvert à toutes les spiritualités. Les auteurs évoqués disent un peu cette ouverture. C'est bien dans le dialogue que nous croyons qu'il y a possibilité pour tous de trouver des éléments de réponse à leurs questions. Alors ce soir, oui, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Doré. Vous nous faites l'amitié de revenir en Alsace, de venir échanger à propos de votre livre « À cause de Jésus, pourquoi je suis demeuré chrétien et reste catholique ?» Dans ce livre, vous écrivez, ce livre est disponible à la sortie si vous le souhaitez, et vous écrivez « J'ai pour ma part affronté les questions qui se posaient à l'Église et à la société. » Les questions que la société posait à l'Église, et puis aussi les questions que l'Église est en droit de poser à la société. C'est le travail que je me suis efforcé de faire comme théologien, puis comme évêque. Ce fut une extraordinaire aventure. C'est là l'essentiel de ce qui m'a guidé comme théologien. Pouvoir répondre de ma foi, pouvoir en répondre devant le monde, et puis en conséquence, donner aux croyants des raisons de croire, et à ceux qui ne croient pas, du respect pour les croyants et pour la foi. Dans cette dynamique, dans cet esprit, eh bien, cette soirée, avec vous, grâce à vous, va nous donner encore de continuer la recherche. Bonsoir. Je suis heureux non seulement d'être en Alsace, mais d'être à Mulhouse, en Alsace. Je voudrais, en deux temps, vous dire d'abord pourquoi cet ouvrage et ensuite comment il essaie de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi, comment ? Pourquoi cet ouvrage ? Sous le titre « La grâce de vivre » et sous la forme d'une interview conduite par Charles Hellinger et Michel Kubler, deux Alsaciens, j'avais déjà publié chez Bayard une sorte d'autobiographie déjà théologique et déjà pastorale. Par ailleurs, à partir de la documentation personnelle que j'avais très largement mise à sa disposition, Bernard Xibaud, chancelier du diocèse de Strasbourg, comme vous savez, avait rédigé une présentation parue chez l'éditeur MAM des Clés, sous le titre « Joseph Doré, la responsabilité d'un évêque », une sorte de relevé de mon activité, de ma réflexion d'archevêque à Strasbourg. Ça pouvait suffire, ça faisait déjà deux ouvrages, l'un plus sur l'ensemble de ma vie déjà écoulée et l'autre sur la partie alsacienne. Ça pouvait suffire. Mais voilà que la personne qui avait été mon éditeur chez MAM des Clés, Madame Pedotti, me proposa de remettre l'affaire sur le chantier. « Si, si, vous verrez, il y a autre chose à faire. »
C'est proprement, me dit mon interlocuteur, la question de la foi qu'il faudrait poser. Pas seulement comment vous la comprenez, comme théologien, un théologien qui est toujours déjà convaincu, pas seulement comme pasteur, qui a toujours envie de convaincre, mais tout simplement comme croyant. Pas théologien, pas pasteur, mais croyant. Donc pas seulement en nous expliquant ce qu'est la foi, comment on peut la comprendre, et éventuellement ce qu'elle peut permettre de faire, mais comment vous la vivez, vous. Et en deçà même de cela, comment vous y êtes venu à la foi? Comment vous l'avez choisi? Comment vous l'avez maintenu? Ce qui vous a fallu traverser pour traverser des épreuves, des doutes, des obscurités, des objections, des obstacles. Autrement dit, sans faire une théorie, mais en communiquant une expérience, votre expérience, avec le plus de sincérité, d'honnêteté et ainsi de vérité possible. Je dois le dire, j'ai hésité un long moment avant de répondre positivement à cette demande qui m'était adressée. Je n'étais pas sûr que l'idée était bonne, j'avais déjà beaucoup écrit sur la question, je n'étais pas sûr que j'aurais beaucoup de choses intéressantes à faire partager, qui avait le public pour cela. J'étais très perplexe. Alors j'ai quand même réfléchi, parce que j'ai de l'estime pour cette personne. J'avais quitté Strasbourg depuis juin 2007, pour de graves raisons de santé, on en parlera si vous voulez. Tant bien que mal, je m'étais transplanté au séminaire Saint-Sulpice, près de Paris, et petit à petit j'avais commencé à m'installer. Au bout de quelques mois, j'avais enfin récupéré une certaine santé, et ça a été long, et j'en suis venu à me demander à quoi j'allais jouer, qu'est-ce que j'allais faire de la santé que j'avais récupérée, du temps dont je disposais, à quoi j'allais occuper ma vie. Bon, multiplier les conférences, les sessions, les prédications, les retraites, les articles, les contributions, les livres. J'ai fait tout cela et plusieurs autres choses encore. Mais tout cela étant dit, j'ai surtout passé de très longs moments à réfléchir, à ruminer. Vous comprenez ? Je n'avais plus d'occupation imposée, je n'avais plus d'obligation stricte, je n'avais plus de tâches à accomplir, plus de diocèse à conduire, plus de faculté à diriger, plus de cours à faire. Je n'avais plus de responsabilité à assumer. Alors je suis revenu sur moi-même, sur ma vie, sur le sens de ma vie. J'ai ainsi fait une très forte expérience spirituelle, une expérience de décapage, une expérience de vérité. Il n'y avait pas de témoin, j'étais face à moi-même, devant Dieu. J'ai accordé plus de temps à la réflexion, à la méditation, à la prière. J'ai redécouvert, ou en tout cas j'ai mieux savouré, les psaumes. C'est formidable, les psaumes. Formidable. J'ai repris lentement la lecture de l'Écriture. Pas pour faire une prédication, pas pour faire un cours, pour convaincre personne. Pour me dire, mais ça tient ça ou quoi ? Et j'ai découvert, à travers cela, deux choses. Que tout cela, au fond, c'était bien, c'était riche, c'était porteur, c'était fécond pour la vie, pour une vie d'homme, pour ma vie. Et
j'ai découvert aussi que non seulement ça n'allait pas de soi pour beaucoup de gens, ça je l'ai toujours su dans le monde d'aujourd'hui, mais que pour moi-même, ça n'avait pas toujours été évident, même si je n'avais de fait jamais quitté l'Église, jamais quitté le christianisme. Repensant à ma vie, à toute la part de ma vie qui venait de s'écouler, et me situant devant le reste de ma vie, ce qui me restait encore à en vivre, je me retrouvais face, vous voyez bien, à des questions essentielles, au fond, au vrai. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Sur quoi tu peux te fonder pour l'estimer bonne, juste, belle, digne d'être vécue? À quoi ou à qui peut-on, peux-tu faire crédit pour trancher ce genre de questions? Pourquoi faire crédit? Jusqu'où? Et si tu réponds, mais en fait, il y a quand même l'Église, l'Évangile, il y a Dieu, il y a Jésus, qu'est-ce qui t'a conduit à répondre ainsi et à maintenir ta réponse jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'autorise maintenant à la reformuler en toute honnêteté pour poursuivre ton chemin en toute vérité? Pas comme théologien, pas comme évêque, comme homme, devant ta conscience. J'en étais là. Je ruminais ainsi, je m'interrogeais de cette manière, lorsque mon éditeur est venu me chercher avec sa question, qu'elle a du reste assez vite formulée de cette manière après un moment de conversation avec moi, mais au fond, pourquoi êtes-vous demeuré chrétien ? Demeurer, le mot m'a plu, parce que, oui, j'étais né chrétien, et de fait, je n'avais pas quitté cette maison-là. J'y étais demeuré. Alors que pourtant, je m'en rendais bien compte, évidemment, ça n'était pas toujours allé de soi. Alors même que, la maison, je devais bien le reconnaître, avait quelquefois été ébranlée, alors que les vents avaient soufflé, et même que quelques tornades étaient passées par là. Vous reconnaissez l'allusion évangélique à la maison bâtie sur le roc ou sur le sable. Alors, j'ai donné une réponse positive à mon éditeur en juin 2008. Je vais y aller, je vais essayer de répondre à cette question, pourquoi je suis demeuré chrétien. Juin 2008. J'ai quitté Strasbourg, juin 2007. Et l'affaire a été lancée sous le titre, on disait alors avec l'éditeur, et on disait que ce titre pouvait être provisoire, « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?» Ça a été le point de départ. Alors il y a eu une deuxième étape. Très vite, en effet, je me suis rendu compte que ce qui était sans doute trop évident pour moi pour que j'en réalise toute l'importance, s'imposer à moi dans ce contexte-là. J'ai réalisé que ce qui de fait avait été pour moi la référence constante, unique, fondamentale, à travers toutes les étapes de ma vie, je vais y revenir, et tous les questionnements qu'elle avait pu comporter, c'était la référence, ni plus ni moins, à Jésus. La figure, le comportement, le message, le destin, le mystère de Jésus. Je découvrais que c'était le fil rouge pour moi. J'ai réalisé à ce moment-là, comme jamais, je ne suis pas en train de vous raconter des carabistouilles. Je vous dis le résultat qui s'est imposé à moi dans ce contexte que j'ai commencé par décrire. J'ai réalisé comme jamais que si je pouvais dire que j'étais et que je suis demeuré chrétien, si je pouvais comprendre pourquoi il en allait ainsi, c'était premièrement que certes, j'étais né chrétien, dans une famille chrétienne. Que deux,
pour autant, il n'était jamais allé de soi que je le demeure. Je vais y revenir. Et trois, que si je l'étais effectivement demeuré, ce n'était pas par un atavisme ou une obstination que je n'aurais jamais eu l'idée ni le courage de dénoncer. Ce n'était pas parce que je ne m'étais jamais posé la question d'autre chose, je vais y revenir, ni parce que je n'aurais jamais été sensible à la séduction d'autres propositions, ni parce que j'avais toujours été satisfait de tout ce que me proposait le christianisme. Mais purement et simplement à cause de Jésus. Je réalisais donc, comme jamais auparavant, que j'avais suivi ce chemin, je répète, à cause de Jésus, et je vais y revenir. Déjà enfant, puis collégien ou lycéen, jeune intellectuel, c'est Jésus, et pas tellement l'Église au fond, à ceci près que, et c'est très important, que c'est l'Église qui m'a présenté Jésus. C'est Jésus qui avait pour moi été décisif. Au point que, bon, j'avais aussi fait ma dissertation de licence à Paris sur Jésus, puis ma thèse à Rome sur Jésus, au point que je n'ai jamais cessé, à Paris, à Rome, en Allemagne, c'est-à-dire à travers le long temps de ma formation, de mes longues études, de multiplier les lectures, les dossiers de recherche sur Jésus. Au point que c'est la christologie, c'est-à-dire la réflexion sur Jésus le Christ, que j'avais privilégiée dans mes propres enseignements, d'abord au séminaire de Nantes pendant 6 ans, où j'ai été professeur de 65 à 71, puis à la Cato de Paris, j'y ai été 30 ans, pendant 20 ans j'ai enseigné la christologie, et quand j'ai passé à d'autres thèmes de cours, c'était le débat avec les autres religions, les rapports entre la foi et la culture, ça tournait toujours autour de la figure du Christ. Au point aussi que j'ai lancé une collection d'ouvrages sous le titre « Jésus et Jésus-Christ », une collection appelée à compter 100 volumes, et qui sont maintenant parus. Le dernier a été publié tout récemment chez l'éditeur Declemam, dont j'ai fait état tout à l'heure, et ça s'est terminé par 2 grands colloques, l'un à Strasbourg, à la faculté de théologie catholique, dont j'ai été le chancelier, et l'autre à Paris, où j'ai été le doyen. Donc, ça a occupé 35 ans de ma vie, cette collection, est consacrée à Jésus, Jésus-Christ. Et au point que Jésus était tellement central pour moi, au point que tout le reste étant dit, et que je viens de dire, c'est à cause de Jésus, finalement, que, et c'est ça que je réalisais encore mieux dans mon temps de réflexion là-bas, ici, les Moulineaux, au point que c'est à cause de lui que j'avais aussi accepté de devenir évêque. Je m'explique là-dessus dans le livre. Quand la question m'a été posée de devenir archevêque de Strasbourg par le nonce, j'ai été totalement porté à une réponse négative. Pas parce que je n'aurais pas estimé l'Alsace ou la fonction épiscopale, mais parce que moi j'étais théologien. Et que, voilà, ça remplissait ma vie. Je n'avais pas envie de faire autre chose. Et qu'est-ce qui m'a décidé? Je raconte ça. Je me vois un jour, tout le monde, j'avais consulté tous ceux qui pouvaient m'être utiles pour m'aider à trancher, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tout le monde m'avait dit, mais si, il faut y aller. Et moi, j'étais toujours dans ma réticence. Alors, je me revois dans mon fauteuil, en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Il m'est monté au cœur ceci à cause de Jésus. Et allez vous étonner que j'ai choisi cette formule comme comment dit-on, consigne épiscopale, comme devise, puisqu'il en faut une. Bon, et cette devise, elle est inscrite au dos de ma croix pectorale et à l'intérieur de mon anneau épiscopal. Alors voilà, Jésus, il a tenu quand même une place tout à fait importante, et finalement,
Je me suis rendu compte que si je voulais répondre en vérité à ma question « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?», ben, la réponse était « À cause de Jésus ». Et du coup, « À cause de Jésus » est devenu le titre de l'ouvrage que je préparais, « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?» devenant le sous-titre. Vous suivez, hein ? Il y a eu une troisième étape. Et tout compte fait, elle n'a pas été la moins importante, vous allez voir. J'avais travaillé sur ce thème, à cause de Jésus, pourquoi je suis demeuré chrétien, pendant plus de 6 mois, en faisant aussi autre chose, bien entendu. J'écrivais pour essayer de répondre avec honnêteté à cette question. Le livre, autrement dit, avançait. Nous étions en janvier 2009. Je quitte l'Alsace en juin 2007. La question m'est posée de faire ce livre en juin 2008. Nous sommes en janvier 2009. Le livre a déjà avancé un peu. J'avais accepté de donner en janvier 2009, en Alsace, comme par hasard, successivement 2 retraites à des monastères, l'un de moniales cisterciennes, l'autre de moines cisterciens, Ergersheim et Löhlenberg. J'avais proposé comme thème marcher à la suite de Jésus. J'étais tout content de revenir en Alsace et de prêcher des retraites dans un monastère dont j'avais béni l'abbé et de moine, et dans un monastère de monial dont j'avais aussi béni l'abbesse. Alors j'étais tout heureux de les retrouver, de retrouver l'Alsace et de parler de Jésus-Christ. Alors, est-ce que j'ai porté à ce moment-là trop peu d'attention aux journaux qui étaient pourtant disponibles dans les 2 abbayes ? Est-ce que j'ai été distrait en écoutant la radio dans la voiture qui me conduisait d'un monastère à l'autre ? Toujours est-il que ce n'est qu'en rentrant à Paris, après mes 2 retraites, 15 jours, en rentrant à Paris, que, à la fin de ce mois de janvier, que j'ai appris les nouvelles concernant un certain nombre d'événements ecclésiaux déplorables qui venaient de largement secouer l'opinion et qui s'étaient produits justement dans la quinzaine de jours que moi je passais tranquillement dans mes abbayes à parler de Jésus. Levée de l'excommunication de 4 évêques intégristes lefévristes. On apprend peu de temps après que l'un d'entre eux, Williamson, a nié la Shoah. Dans le même temps où on levait une excommunication, on en portait une autre contre l'archevêque de Recife, contre la maman et l'équipe médicale qui avaient décidé de mettre fin à la grossesse gémellaire d'une petite fille de 9 ans qui avait été violée par son beau-père. Rappelez-vous. Excommunication confirmée et défendue par un grand cardinal romain qui aurait mieux fait de se taire. Alors, j'en savais rien. Quand mon éditeur, que je retrouve à mon retour, me dit ben, « il faudra en tenir compte dans le livre », j'ai répondu oh, « ben, oui, sûrement ». Mais sans plus, je n'avais pas réalisé ce qui s'était véritablement passé. Or, dans les jours et les semaines, la semaine même qui ont suivi, j'ai vite changé d'avis. En même temps que les faits que je viens de rappeler rapidement, je découvrais en effet l'ampleur, la vigueur des réactions qu'ils avaient suscitées dans le monde, dans l'Église et de plus en plus en moi. Et bien entendu, j'ai vite compris alors que, ouh là là, il ne faudrait pas simplement se contenter d'en tenir compte, mais que ça méritait d'être traité explicitement, de fond. Parce que ça faisait prendre conscience d'un grave problème. Car les questions ne cessaient pas de s'accumuler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la presse en général, je me rappelle, j'étais allé prendre un café dans un petit boui-boui de la rue de Babylone, là, mais les gens parlaient de ça.
Hein, le matin, ils avaient déployé le journal et c'était. Alors, on revenait sur la condamnation par l'archevêque de Recife. Mais il fallait entendre les commentaires des gens, que d'ailleurs je comprenais totalement. Et alors, dans la presse, bien sûr, mais dans mon propre courrier, vous imaginez pas, pendant 3 semaines, ça a été une déferlante. Des fidèles et des prêtres du diocèse de Strasbourg, des professeurs de séminaire sulpicien, je rappelle que je suis sulpicien, des anciens collègues de la Cato, me disant « mais attends, il faudrait que tu y ailles là quand même ». Des amis, des relations de toutes les époques de ma vie, dans ma propre famille. Mon neveu et filleul Philippe me dit « mais parrain, faut faire quelque chose, faut que tu fasses quelque chose ». Enfin, dites quelque chose. Cette Église, c'est pas vraiment la nôtre. On ne la ressent pas comme ça. C'est pas possible. Arrêtez le massacre. Bon, ça c'est assez depuis, mais vous vous rappelez? Alors, moi je reçois ça de plein fouet. Sans prévenir. Bon. Alors là, évidemment, j'ai pris les choses très au sérieux. Et ça a donné dans ce livre un chapitre entier, Tempête en hiver. Où d'ailleurs, j'ai été conduit à faire état encore d'une autre affaire, qui s'est avérée peu de temps après, à savoir une autre donnée d'actualité, qui prenait de plus en plus d'importance, c'est évidemment la terrible déferlante sur la pédophilie d'un certain nombre. De prêtres aux États-Unis, en Irlande, dans certains collèges jésuites même, d'Allemagne et d'Autriche. Et puis alors, il y a eu la fameuse histoire du misérable Maciel. Hein, vous voyez ? J'ai fini par être moi-même assez ébranlé et par me dire, alors voilà, troisième étape dans la conception de l'ouvrage, non seulement il faut tenir compte de tout ça, mais il faut traiter tout cela. Parce que, pour ce que ça représente, à savoir une crise extrêmement sérieuse, je ne souhaiterais pas qu'on l'oublie. Rappelez-vous comme nous avons été secoués, combien de nos frères ont été déçus, ont pris leur distance, on dit « mais l'Église, maintenant, il n'y a plus rien à espérer ou quoi ?» Et là, troisième étape, gardons donc le titre « À cause de Jésus » et le sous-titre « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?» j'ai proposé d'ajouter « Et reste catholique ». Ce qui m'a conduit à ajouter au livre une partie où alors, voyez, je ne réponds pas seulement à la question « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?» mais pourquoi je reste catholique et pourquoi je pense qu'il est important que demeure un catholicisme. Ce n'est pas simplement, il y a le catholicisme, on s'en accommode plus ou moins, et puis comment lui être fidèle? C'est, mais attendez, est-ce que le catholicisme va pouvoir être fidèle à lui-même dans les évolutions qu'il connaît aujourd'hui, dans les contestations dont il est l'objet, dans les dérives et les dérapages qu'il connaît? Est-ce qu'il va pouvoir demeurer un catholicisme. Et voilà pourquoi j'ai fait ce livre tel qu'il se présente et pourquoi il se présente sous la forme qu'il a donc maintenant de 3 parties. Il y a les commencements, le temps de ma formation, de mes premiers ministères, je suis prêtre en 1961, et je fais des études à Paris, à Rome, à Münster, je raconte tout ça, et puis je suis envoyé directeur et professeur au séminaire de Nantes dans les années 65-71. Première partie, voilà ma formation, mes premiers ministères. Et je vais y revenir, j'ai traversé déjà certaines choses pour devenir et demeurer catholique. Deuxième étape, alors Paris, le développement de la théologie dans la culture, de 71 à 97, soit plus de 25 ans. Et je raconte ce que j'ai eu à traverser, là aussi. Troisième étape, Strasbourg, l'épiscopat en Alsace, de 77 à 2007, ce qui fait 10 ans, quasiment. Et puis, alors, la quatrième étape, c'est ici les Moulineaux, depuis janvier 2007, alors avec les évolutions accélérées que j'ai évoquées à l'instant même.
quatre parties. Alors maintenant que j'ai dit pourquoi j'ai fait ce livre, avec les quatre parties qu'il comporte, je voudrais vous dire comment je réponds aux questions qu'il pose, pourquoi je suis demeuré chrétien, moi-même, et pourquoi je pense qu'il est important, et à quelles conditions, et comment il pourra demeurer un christianisme. Alors, comment je réponds à la question « Pourquoi je suis demeuré chrétien ?» Quelles sont les traversées que j'ai eues, moi, personnellement, à opérer pour demeurer chrétien ? Alors, je réponds en ce qui concerne d'abord le temps de l'enfance. J'ai eu des choses à traverser. Ça n'allait déjà pas de soi de rester, même dans le milieu, disons, de tradition chrétienne où j'étais, fidèle à sa foi, fidèle à ce qu'elle donne à comprendre de l'existence humaine et de ce qui peut lui donner sens. J'avais autour de moi déjà de bonnes raisons de résister à la proposition chrétienne, catholique, le fonctionnement de l'Église catholique, des questions de fond sur la souffrance, ma propre souffrance d'enfant pensionnaire juste après la guerre, à qui on peut faire vraiment confiance dans la vie. Je me rappelle très bien que j'ai eu à me taper ces questions-là. Je ne dis pas que je suis seul à l'avoir fait, mais je parle aussi pour que ceux qui me liront puissent être éclairés, j'en reparlerai. Mais déjà dans l'enfance, je vois bien que ma foi était questionnée. Et puis alors à l'adolescence, qu'est-ce que vous voulez, je suis de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie. Des questions graves. Gravissime. Sur, comprenez, on avait 20 ans et on était engagé dans une guerre dont tout le reste de la nation ne se préoccupait plus. La guerre d'Algérie commençait dans chaque famille quand le fils y partait. Elle se terminait quand il en rentrait. Et nous, nous étions avec des problèmes graves de savoir ce que nous faisions au nom de notre pays, hein, dans un pays qui ne voulait pas de nous. Alors il y a eu ça, il y a eu le nombre de mes camarades que j'ai vu sauter sur les pistes. J'étais dans un secteur extrêmement, mouvementé. Et puis j'ai failli mourir. Je me vois très bien un soir à l'hôpital de Sétif, abandonner tout le monde en me disant, mon petit vieux, excusez-moi, tu vas clamser, tu ne reverras pas ton pays, ta famille et la maison de ton père. Ce jour-là, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai remis mon âme à Dieu. Je ne dis pas que j'ai eu raison, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je dis que j'ai traversé ça. Et j'en rends grâce à Dieu. Je raconte, j'ai eu ça à traverser à 20 ans. Alors après, il y a eu 68, et moi je ne suis pas passé à côté, hein. J'ai vraiment partagé des espérances avec les jeunes de l'époque. J'étais jeune moi-même. Je raconte des choses dans le livre, je ne vais pas les répéter ici. Et alors, la désorganisation institutionnelle que ça comportait, les remises en cause des fonctionnements d'église, au séminaire de Nantes où j'étais responsable. Et puis après, alors, j'arrive à Paris. Alors, au séminaire des Carmes, séminaire de l'Institut catholique, il y avait 90 jeunes là, qui étaient bien, en connivence avec ce qui se passait dans la capitale à ce moment-là. C'était, alors, quand j'ai été nommé au Carme, un collègue m'a dit, tu verras, c'est la pétaudière. C'était un bon emploi. Mais effectivement, tout était remis en cause. Alors, le problème, c'était de savoir, mais qu'est-ce qui tient, d'où on part? Est-ce qu'il peut encore y avoir une église? Est-ce qu'on peut encore se préparer au ministère ordonné? Est-ce que... À quel niveau prendre la contestation? De quoi repartir? Et là, ces gens-là étaient là pour s'engager sur le reste de leur vie. Ils avaient à décider des choses fondamentales. Et moi, je ne voulais pas leur raconter des carabistouilles. Je voulais d'abord les écouter. Et alors, il y avait, dans l'effervescence du Paris de l'époque, où se déployaient évidemment les sciences humaines, le structuralisme, le matérialisme dialectique, le soupçon en général. Et je me suis dit, mais moi je ne peux pas passer à côté de ça. Et donc j'ai suivi des cours, j'ai lu, j'ai débattu, j'ai participé à des séminaires, j'ai organisé des rencontres, je suis allé écouter Althusser, j'ai travaillé Nietzsche, crayon à la main. Enfin,
il fallait prendre ça en compte. Et c'est à la condition de traverser ces remises en cause intellectuelles, culturelles, fondamentales, que j'ai pu continuer à professer ma foi. Bon. Alors, il a fallu traverser ça. Mais ce n'était pas tout. Parce qu'une fois que vous aviez, tant bien que mal, traversé ce genre de contestation, il fallait savoir de quoi vous repartiez du point de vue chrétien. Alors, bon, moi, j'étais attaché à Jésus. Il avait représenté pour moi une référence. Mais à l'époque, c'était, disons, la trace d'un grand monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Bultmann, qui, disons, s'imposait. Alors, la thèse de Bultmann, c'était quoi? Bon, moi, je m'attachais à Jésus. Bultmann vous disait, mais Jésus, mais on ne peut pas le rejoindre. On ne peut rien savoir sur lui. Ce qu'on peut savoir, c'est le discours contenu sur lui des communautés qui se rapportaient à lui, qui se référaient à lui, mais ce qu'il a été, ce qu'il a représenté, ce qu'il était véritablement, on ne peut pas y accéder. C'est barré l'accès. Vous arrivez toujours seulement à des témoignages et pas à la réalité de Jésus. Alors, je me suis tapé l'enquête historique, exégétique sur Jésus. C'est pour ça que j'ai lancé la collection Jésus et Jésus-Christ, entre autres choses. Et puis, une fois que vous aviez un peu éclairci le travail sur Jésus, ce qu'on pouvait en savoir, et les raisons qui avaient conduit ses disciples à le reconnaître pour fils de Dieu et sauveur, alors vous aviez à vous taper le fait chrétien. Parce que Jésus est à l'origine, mais Jésus, il y a longtemps qu'il est disparu. Ceux qui nous témoignent de lui à travers l'histoire, alors ils n'ont pas toujours été fidèles à sa figure. Alors je me suis tapé de faire aussi, excusez-moi ce terme, je le mets entre guillemets, je me suis tapé, de faire l'enquête à travers l'histoire. Alors vous voyez bien tout ce qu'on reproche au christianisme, le constantinisme, les croisades, l'inquisition, l'intransigeantisme de l'époque contemporaine. J'explique qu'il a fallu traverser tout ça. J'ai dû passer 10-12 ans à faire ce travail-là. Alors, je faisais mon travail au séminaire, j'écoutais les séminaristes, les étudiants, j'ai beaucoup étudié, écouté, beaucoup accompagné, et puis, pour essayer de répondre à ces questions qui ne me laissaient pas indifférent, beaucoup travaillé. Pas seul d'ailleurs, discutant beaucoup avec des collègues. Enfin, on a traversé des choses. Je ne suis pas resté chrétien parce que j'aurais été insensible à des remises en cause du christianisme sous tous ses aspects. Moyennant quoi, ayant fait ça, je pouvais estimer avoir fait pas trop mal un boulot de théologien pour répondre de ma foi dans l'aujourd'hui, avec les contestations de la culture et les évolutions de la société. Or, voilà que on me demande, à 61 ans, de devenir évêque. Alors, j'explique, j'y ai fait allusion déjà tout à l'heure, que ça n'allait pas de soi pour moi. J'estimais que j'avais un grand boulot à continuer comme théologien et que, bon, je plaisante un peu avec vous, on peut trouver des évêques. Mais des théologiens, encore faut-il qu'ils se soient formés. C'est pas si simple. Et moi, j'accompagnais, je sais pas, une vingtaine de thèses. Et je me dis, mais est-ce qu'il faut que je m'en aille? Est-ce qu'il faut, voilà, que je passe à autre chose? Bref. Je finis par accepter de devenir évêque. Je ne l'ai jamais regretté. C'est la période la plus belle, la plus riche de ma vie. Et en grande partie parce que je l'ai passée en Alsace, avec l'église d'Alsace. Mais bon, je n'ai jamais regretté. Mais alors, j'arrive, j'accepte de devenir évêque. Je ne l'ai jamais regretté, je répète. Mais là, de nouveau, j'ai eu des choses à traverser. Pas seulement les lourdeurs institutionnelles de l'appareil ecclésial, dont je devenais plus solidaire puisque j'étais évêque maintenant. Ben, il a bien fallu que j'emporte ma part, sans me laisser engloutir. Et pas seulement non plus les résistances du monde à l'annonce de l'Évangile. Enfin, vous venez, vous êtes évêque, vous annoncez que voilà, il faut penser aux petits, qu'il faut s'occuper des pauvres, qu'il faut envisager certains types d'engagement. Ben, les résistances, elles sont grandes. C'est pas seulement ces difficultés-là que j'ai eu à traverser. Certes, c'est des difficultés normales que je comprends, que je n'ai jamais surfaites, mais j'ai eu à traverser, excusez-moi, la délation en haut lieu, la calomnie de mon entourage. J'aurais pu à certains moments crouler. Il a fallu traverser ça. Je ne le surfais pas. Je sais bien que c'est un tout petit nombre de personnes qui sont concernées, mais j'aurais pu m'écrouler. Je le jure.
Ben, la grâce de Dieu m'a été donnée, j'ai pardonné. C'est pas tout. Il y a eu encore deux autres choses que j'ai eu à traverser pour demeurer chrétien, lourdes. D'une part, la maladie, grave. De nouveau, j'ai vu ma mort. Et d'autre part, je rejoins quelque chose que j'ai dit déjà tout à l'heure, j'ai eu à traverser cette grande épreuve, le fameux hiver là, que j'ai évoqué tout à l'heure, pour demeurer chrétien et rester catholique. Voilà. Voilà comment je réponds pour moi personnellement à la question pourquoi je suis demeuré chrétien. Parce que j'ai traversé un certain nombre de choses de différents ordres, hein, psychologiques, intellectuels, institutionnels, que sais-je, que j'évoque. Alors, brièvement, parce qu'il va falloir qu'on débatte, qu'on ait un échange de questions. Alors, il n'y a pas seulement moi qui suis invité à répondre à la question pourquoi je demeure chrétien, comment j'ai pu le faire. Mais le christianisme, comment il peut poursuivre, comment il peut demeurer chrétien. Alors ça, c'est la dernière partie de l'ouvrage. Je pense que le mieux, c'est que j'évoque rapidement les quatre chapitres où je dis comment je vois l'avenir de l'Église. Alors d'abord, j'analyse les conditions dans lesquelles la question de cet avenir se pose, hein, les conditions dans lesquelles nous sommes. Sans vouloir nous raconter d'histoire, en étant lucide, en se laissant pas accabler pour autant. Alors, nous sommes devant un phénomène massif de sécularisation, de désaffection pour l'Église, une grande indifférence, une totale méconnaissance d'un certain nombre de choses de la foi qui ont paru normales à nos parents, à nos frères, à nous-mêmes, à quelques-uns de nos descendants, mais qui ne paraissent plus aujourd'hui aussi normales. Nous sommes devant un phénomène massif de cet ordre. Il ne faut pas le récuser, il faut le regarder. Et qui n'a pas que des aspects négatifs. Par ailleurs, j'enregistre un certain nombre de signes positifs. Il y en a, ça fait partie de la situation. Il n'est pas honnête de les négliger. Et puis je dis, tout cela étant dit, les phénomènes de désaffection, de détachement par rapport au christianisme, tout de même un certain nombre de signes de vitalité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse pour l'avenir? Alors j'envisage la disparition du christianisme, des traces culturelles simplement. Enfin, on ne va pas raser demain les cathédrales et les églises. Mais est-ce qu'on ne s'y rendra plus que comme nous allons dans un temple grec, c'est-à-dire en ne croyant pas du tout aux histoires de coucherie de l'Olympe? Ou bien est-ce qu'il y aura encore quelque chose que nous pourrons comprendre dans nos églises et dans nos cathédrales? Peut-être pouvez-vous comprendre pourquoi je m'occupe maintenant de cathédrales aussi. Bon. Donc, première hypothèse, ça disparaît. Deuxième hypothèse, reste des traces culturelles. Troisième hypothèse, alors, il va y avoir des îlots, hein, de gens qui vont se crisper, se rassembler entre eux, avec le risque de se fossiliser. On va devenir des amiches. Il y aura des lieux protégés. Le christianisme continuera. Ou bien, il va y avoir un certain nombre, il y a déjà, repérons-les, un certain nombre de lieux où il se vit des choses, c'en est un ici, à partir desquels on va pouvoir se ressaisir davantage encore, s'organiser mieux, et puis faire vivre le christianisme en le recentrant peut-être sur son essentiel. Bref, voilà, première chose, nous mettre devant la situation telle qu'elle est, avec le négatif, avec des possibilités, puis en choisissant un certain nombre d'hypothèses que nous voulons soutenir parce que nous y croyons. Deuxième hypothèse, alors, j'énonce une consigne. Dans cette situation-là, revenir à l'essentiel. J'appelle ça remettre la balle au centre, comme au foot. Qu'est-ce que nous avons d'essentiel comme chrétiens? À quoi croyons-nous vraiment? Sur quoi misons-nous notre vie? Que tenons-nous pour essentiel? Deuxièmement, nous préoccuper toujours de la réception. Vous comprenez, on fonctionne souvent en disant, dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, je vois des professeurs faire ainsi, et des politiciens, on fonctionne en disant, voilà, on va dire la vérité,
Et une fois qu'on l'a dite, on est quitte. Mais attendez, il faut se préoccuper de la réception. On ne va pas dire, nous on a dit ce qu'on avait à dire, et puis les gens vont se débrouiller ensuite pour le recevoir. Nous nous regroupons sur l'essentiel et nous nous efforçons de le faire recevoir. Il nous incombe de prendre les moyens que ce soit, et audibles, accessibles, compréhensibles. Et puis alors, il y a une troisième chose que je crois très importante, c'est, ayant fait cela, alerter le destinataire sur le fait que, ah ben, de toute manière, attention, il aura à décider, il aura à trancher. On ne peut pas croire sans croire. Il faut bien un jour ou l'autre consentir à faire confiance. Et ça, ce n'est pas les cathos, les curés qui disent ça. C'est comme ça la vie. Il faut avoir trouvé à qui, jusqu'où et pourquoi on peut faire confiance. Notre société est malade de ce qu'elle ne sait plus à qui faire confiance. Ben, nous, nous disons, on ne peut pas vivre sans faire confiance. Il faut simplement vérifier à qui on le fait, avoir de bonnes raisons de faire confiance. Et il faut alerter les gens sur l'importance de la confiance dans le monde d'aujourd'hui. Donc, nous regrouper sur l'essentiel. Nous préoccuper de la réception. Dire que la confiance, la foi, ce que vous voudrez, c'est essentiel. Vous ne mettez jamais une lettre à la poste sans faire confiance à tout le réseau postal qu'elle aboutira bien au destinataire que vous lui avez assigné. On ne peut pas vivre en ne faisant jamais, jamais à rien ni à personne confiance. Bon, nous, nous sommes invités à lire. Et alors, troisièmement ou quatrièmement, hein, parmi les consignes, ben, faire de la proposition. Oser dire ce qui nous tient à cœur. Pourquoi nous, ayant traversé ce que nous avons traversé, hein, et avec de bonnes raisons de le faire, nous sommes demeurés chrétiens et souhaitons que d'autres, s'ils le veulent bien, le deviennent. Faire de la proposition. Là, je raconte une toute petite histoire. J'avais dit une fois, dans une visite pastorale, une assemblée générale comme ça, qu'il était revenu le temps de la proposition, qu'il fallait risquer des choses sur ce que nous croyions essentiel. Et il y a une dame à la fin qui est venue me trouver. Elle m'a dit, vous avez eu raison de dire ça, je voudrais vous raconter ma petite histoire. Je dis, je vous écoute. Elle m'a dit, voilà, il y a quelques jours, je sortais du bureau avec ma collègue, on descendait sur le trottoir et on s'avançait ensemble vers le bus. On fait quelques pas ensemble sur le trottoir et au bout d'un moment, elle me dit, tu sais, on vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, mon mari a un grave cancer. L'autre personne, celle qui raconte l'histoire et qui vient me donner son témoignage, dit « Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ?» Me taire, bien sûr, parce que je ne savais pas quoi dire. Bon, je me suis lancé. C'est ça que je viens vous dire, me dit cette dame. Je lui ai dit « Écoute, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas où tu en es, mais quelquefois, la prière, ça peut aider. » L'autre s'est arrêté, elle l'a embrassé, et elles ont continué leur chemin en silence vers le bus. Et cette femme venait me dire, vous avez raison de dire qu'il faut parler, qu'il faut proposer. Je prends ce petit exemple. Il est revenu, mes chers amis, le temps de la parole. Il faut que nous parlions de ce qui nous tient à cœur. Ce n'est pas la peine de le dire si nous n'y croyons pas. Mais si nous y croyons, il ne faut pas mettre ça dans notre poche tout le temps. Alors j'ai dit, regardez la situation telle qu'elle est, j'ai dit, nous donner quelques consignes, nous regrouper sur l'essentiel, etc. Je ne reprends pas ce que je viens de dire. Troisièmement, alors, il y a des questions qui fâchent. Eh bien, il faut se les taper. Alors j'en retiens plusieurs. Parce que ces questions-là bloquent un certain nombre de gens par rapport à l'essentiel, leur interdisent d'y accéder. Ben, il faut que nous les prenions ainsi. Alors j'en retiens quatre, la contraception, la sexualité en général, la question du divorce, des situations des personnes divorcées, divorcées, remariées, et puis l'euthanasie, l'avortement. Il y a d'autres questions qui se posent, mais celles-là, j'ai estimé qu'elles étaient des points de blocage. Bien, j'en parle. Attendez, je ne dis pas à propos des personnes divorcées, divorcées, remariées, que je pense qu'il faut renoncer à l'indissolubilité du mariage. Je ne dis pas du tout ça. Mais je dis qu'il faut traiter autrement les personnes, un certain nombre de personnes qui se trouvent dans la situation d'avoir pas pu, alors que peut-être elles le souhaitaient, vivre, disons, la fidélité complète de toute une existence dans le mariage. Alors, faire face aux questions qui fâchent, et puis je termine par quelques propositions pour la mission de l'Église aujourd'hui, et je les présente en fonction de mon expérience personnelle, je ne fais pas de théorie,
Je dis voilà ce que je crois important à partir de ma pratique, et c'est possible de le faire dans l'Église d'aujourd'hui. Je termine en citant un très 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 beau cantique de Patrice de la Tour du Pin. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire la dernière strophe. Va, hein, c'est adressé au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe à ces temps-ci. Alors la dernière strophe c'est va, puise dans ton héritage et sans compter, partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge, porte partout le nom de Dieu, qu'il te rudoie, qu'il te réveille, tu es son corps dans son esprit, peuple d'un Dieu qui fait merveille, sois sa merveille aujourd'hui. Sois sa merveille aujourd'hui. Je vous remercie.